Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire pommes de terre à la vapeur avec des carottes. Je vais vous montrer ma machine comme d'habitude de Moulinex. Voilà, très belle machine, il fait de tout ce que vous voulez. Il fait des menus pour bébés, des porridges, du yogourt, du fromage, du dessert, du riz céréal, du pilaf risotto. Des pâtes levées et peu réchauffées, et du dessert. Type d'alimentation, voilà, four, soupe, vapeur, mijoté, wok sauté. Ça, c'est tous les menus ici. Voilà. Je vais vous montrer l'intérieur. Ça, c'est pour la vapeur. J'ai mis de l'eau. Voilà. Quand il n'y a pas d'eau, vous pouvez mijoter dedans tout ce que vous voulez. Voilà, regardez. Voilà. 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 Maintenant, je vais vous montrer la fonctionnalité. Maintenant, aujourd'hui, je vais faire à la vapeur. Aujourd'hui, je vais manger des pommes de terre carottes. Vous pouvez les faire en purée. Vous pouvez les manger comme ça, ce que vous voulez. Voilà. Vous pouvez accompagner avec du poisson à la poêle ou du steak. Des brochettes de poulet, des brochettes à la viande, ce que vous voulez. Ça accompagne les pommes de terre, ce que vous voulez. Ça, je voulais juste vous montrer ma machine avec. Je vais faire à la vapeur ici. Je vais faire à la vapeur ici. Voilà. Je ferme. La marque de Moulinex, Good Moulinex. J'ai aussi. Je suis en train de faire ma soupe. Moulinex. Comme d'habitude, voilà. Maintenant, je vais voir comment ça fonctionne. Vous appuyez ici, voilà. Non, vous vous trompez. Vous appuyez ici, voilà. Quand ça clignote, ça fonctionne très bien parce que maintenant, je vais aller ici à la vapeur. Je vais aller à la vapeur. Je bouge ici le menu soupe. Vapeur. Si vous voulez mijoter, vous bougez avec ce bouton menu. Vous allez à mijoter. Si vous voulez à wok, vous allez à wok. Et si vous voulez ici avec tous les menus ici, vous descendez ici. Vous allez au menu bébé, au porridge, au yogourt, au fromage, dessert, riz céréal, pilaf, pâtes. Pâte levée, pâte à pizza, pâte brisée, tout ce que vous voulez, pâte msemen, pâte du beignet, si vous faites lever le beignet, tout ce que vous voulez dans cette pâte ici. Pâte sablée, enfin tout ce que, enfin le sablé ça se lève pas tellement, mais oui. Tout ce que vous voulez, pâte brisée, vraiment tout ce que vous voulez, le pain, pour faire lever le pain, tout ce que vous voulez. Ici, pour réchauffer. Voilà. Et ça maintient au chaud, hein. Ça maintient quand même longtemps, hein. Presque, moi je trouve que ça maintient presque 8 heures, bien au chaud. Bon, je vais recommencer ici. Je vais aller maintenant à la vapeur. Voilà, vapeur 35 minutes. Je vois ici 35 minutes à la vapeur. Voilà, 35 minutes. Je clique ici. OK. Voilà. Ah non, c'est pas ici, je me suis trompée. Voilà. Je vois pas très bien ici. Voilà, attendez, je vais vous faire comme d'habitude. Je vais voir comme ça. Voilà. Vapeur. Et appuyez sur le bouton ici. Voilà. Voilà. Vous appuyez. Vous faites le réglage ici. Quand vous êtes ici. Et vous appuyez ici. Voilà. 35 minutes à la vapeur. Voilà. Voilà, mes amis, j'ai terminé. Ben, vous connaissez les pommes de terre à la vapeur. Voilà, je vais encore ouvrir une dernière fois pour bien que vous voyez. Voilà. Ceux qui aiment ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Et ceux qui aiment encore plus, likez-moi. Je vous remercie. Au revoir.